Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, une chaîne qui va être consacrée aux livres. Je vais parler donc de mes lectures, donner mon avis et partager mes coups de cœur ou mes coups de... Ça se dit pas mes coups de déception, mais mes déceptions quoi. Pour me présenter un peu, je m'appelle Manon, j'ai 19 ans. Je vais aller en deuxième année de lettres modernes, parce que j'ai validé mon deuxième semestre. Bref... sinon, qu'est-ce que je peux dire? J'ai dans l'optique de devenir bibliothécaire. Donc pour ça, il faut faire des concours et tout ça. Et puis, j'aimerais beaucoup faire un master culture de l'image et de l'écrit. Donc voilà. Sinon, que dire d'autre? J'ai commencé, enfin je me suis lancée. Grâce à Tartine aux pommes en fait, donc je dis beaucoup donc. Oui, donc je me suis, bref, donc je me suis lancée grâce à Tartine aux pommes qui avait aimé une de mes photos sur Instagram en fait. Elle avait mis une photo avec un livre de Pancol et de fil en aiguille, je sais pas, j'ai regardé ses photos, elle a regardé les miennes et puis... À un moment donné, elle a posté une photo où elle parlait, enfin une vidéo plutôt, où elle parlait d'ouvrir une chaîne YouTube aussi. Donc comme moi, pour parler des lectures, de ses lectures également. Et je me suis dit, je lui ai dit, si tu le fais, je le fais. Et voilà, j'ai longtemps hésité, j'en ai même parlé à mon copain. Et finalement, ben voilà, je me lance. On verra ce que ça va donner, on verra combien de temps je vais tenir, si ça va me plaire ou pas. Et si ça va plaire aussi. Et que dire de plus? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Et ma foi, je vais arrêter la vidéo ici. Et vous dire à bientôt pour une prochaine sûrement. Si jamais vous voulez me lire, j'écris sur un blog. Je mettrai l'adresse en bas. Je vais laisser mon Instagram également, mon Twitter si vous voulez. Facebook, j'y vais pas des masses, donc c'est un peu inutile. Puis même Facebook, c'est un peu plus privé, je trouve. Et voilà. Donc, à bientôt.